Jour 7. Nous voilà encore une fois à Cassis. Cette fois, on attend pour embarquer sur un navire pour aller voir les nombreuses calanques du parc national des calanques. Pas avant 13h30. Du coup, pour une fois, on est tranquille, on se promène tranquillement. Elles sont fermées, enfin le parc national est fermé, on peut pas y accéder à pied, on peut juste y aller en bateau à cause des risques incendies. Et apparemment c'est surtout à cause du vent. Donc on a attendu jusqu'à aujourd'hui pour avoir plus de chance, mais finalement c'est fermé aussi. Mais heureusement on peut les faire en bateau, donc dernière chance pour pouvoir les voir. Pour une calanque. Et c'est aussi le départ du chantier de Raonnet face à nous. Qui part de Pornic, traverse les Calanques et va jusqu'à Marseille. 15 heures de marche pour faire l'intégralité de ce parcours. Va donc pour Mion. Le bateau venait se coller contre les tartanes. Ils venaient récupérer leur chargement alors que vous glissez à bord la pierre de Cassis. Cette pierre, c'est du calcaire urbonien. Le panel a sa particularité, vous découvrez cet arbre qui pousse directement dans la roche, sans eau ni terre, un terre résineux qui nourrit de la sédimentation. En gros, qui signifie le vallon, la vallée, un véritable condensé de mer et de montagne dans cette calanque. Appréciez les fonds, vous avez environ 30 mètres de profondeur et les mêmes reliefs sous l'eau. Face à nous, on va découvrir juste derrière cet îlot la petite calanque de Sugiton. On est déjà aux portes de Marseille à Sugiton. Juste derrière la colline face à vous, vous avez le quartier de Lumigny, un quartier étudiant. On va découvrir dans le fond à droite le petit port de Sormiou, dans le fond à gauche une très jolie étendue de sable, des fonds sablonneux, des particules sombres qui seront des herbiers. We'll be right back.
Bon, ça y est, mission réussie, on a réussi à faire des calanques en bateau du coup. Oh. Maintenant, direction les terres, on va aller dans le plateau de Valensol. Il est censé y avoir de la lavande, des champs de lavande, mais vu qu'on est fin août, il y a des grandes chances que ce soit un bide, puisque logiquement ça a déjà été coupé. Il y aura peut-être quand même des décors sympas. On va voir ça. Ça va vite. On n'a plus de lavande. Finalement, il y avait quelqu'un qui avait anticipé. Elle est où la lavande? Je l'ai trouvé. Le dernier brin de lavande. Mais en fait, on ne peut pas y accéder à la maison. Bah, comme ça, non. En fait, il faut y aller par le côté là-bas. Qu'est-ce que tu penses de cette petite sortie? C'était génial, hein? Non, en fin de saison, il n'y a plus de couleur. Hein. Bon, ben voilà. Il n'y a pas de lavande. Enfin, si, il y en a, mais... Il n'y a plus la fleur, quoi. On est trop tard. Enfin, un peu d'imagination. Bon, allez, on va tenter un truc. En post-prod. Ouais, c'est pas beaucoup mieux, hein. Ah, c'est le Kevin du futur, un an après, enfin au moment où je monte la vidéo, juste pour faire une apparition et dire que je me désolidarise totalement de cette blague qui m'a pris beaucoup trop de temps à faire, pour un résultat très médiocre. Faire un tracking de la main, image par image, c'est vraiment génial. Retour à la vidéo. Bon bah du coup on va faire des photos style Instagram mais sans la lavande, je pense que ça donne. Ça va vraiment être ridicule. Bon, c'est quand même joli. C'est un peu trop vert, un peu pas assez mauve, mais c'est quand même joli. Ah, ce serait 50 fois plus joli. Merci de me le rappeler, merci. Genre ça, c'est pas mal, ça, ça pourrait tester. Ah, mais ça, il nous faudrait le soleil en plus, on a pas mal. Ça, c'est con. Un chien, ouais, mais on a pas de chien, c'est marrant. Ah, celle-ci, là. Ah ouais, elle est pas mal celle-là. Ici, on va la faire. Ah bah celle-ci, c'est... Ah bah c'est... C'est... Ouais. C'est presque ça, quoi. Ah ouais, elle est pas mal celle-là, tiens. Ah, avec le chapeau sur le côté, dans la main là, ça va, il faut qu'on fasse. C'est bon. Qu'est-ce qu'on rigole hein? Finalement, est-ce que c'était pas plus drôle de pas avoir de lavande? Ouais, du coup, let's go à l'hôtel. On va pouvoir profiter après avoir fait les concours. Quel nageur! J'ai l'impression de me noyer dans le verdon. Ouais. Demain. Mais ça, le verdon, c'est demain. Jour 8, en mode kayak, dans le verdon. C'est haut, hein? On est haut en fait. Et c'est parti pour la rando jusque dans les gorges du Verdon.